Désir Venès et ce métier nous yo, laissez-moi dire que la police nationale d'Haïti, à travers Popol Adjo la police, qui c'est Lionel Lazare, monsieur présenté, Sanrele, eh bien, ensemble de matériel que la police dit que vous saisit dans quatre opérations qui ont été menées dans fief basse crasse barrière qui évite l'homme innocent dirigé. Et c'est ça, on a regardé sur l'écran là, plusieurs armes saisies, plusieurs radiocommunications, plusieurs téléphones, plusieurs et chilets et casse la police, n'est-ce qu'on est saisie. Nous pourrons permettre que entendre qui ça exactement que Lionel Lazare lui-même lui dit. Puisque je dis, il y a un pile question qu'a posé, il y a un pile tout qui gagne par rapport avec ça, n'a pas dit, ensemble de bandits que la police dit qui mourit, na base vite l'homme innocent qui se base crasé barrière. Mais moi avec Désir Venès, laissez-moi dire avec ça mettez en autre nous yo. Je dis moi veux que chaque monde cap garder émission ça et comprendre très bien ça n'ral dit là yo. Nous pas vini pour nous cracher sous travail la police nationale d'Haïti. Et en même temps tout nous pas encourager et quel que soit monde qui a craché sous travail la police là. Parce que n'a pas d'accord que Désir Venès, nous avons des vaillants policiers et cap travail qui fait de gros sacrifices. Et je dis, malgré tout ça que nous capable de reprocher la police là, faut que nous reconnaissions et sacrifices et efforts que les policiers nous ont fait dans quatre opérations à mener. C'est vrai que nous connaissons que nous avons pile faiblesse. Gen pile mauvais grain en dans la police là. Nous connaissons que un ben peuple en perd confiance dans autorité que gen là yo. Mais c'est pas une raison tout pour que nous a craché ou dit moins que a découragé, a dévalorisé et sacrifice ensemble de policiers a fait. Bon c'est que moment au lieu que des séries de monde a craché travers la police là. De préférence, on nous mettait plus pression plutôt, nous permettre que la police n'a pas résultat ou dimanche que autorité concernée yo, yo ben résultat. Et je dis, hein, li tout à fait normal. Et si que population haïtienne non, si que le perd confiance dans autorité policière nous yo, bien dit, li tout à fait normal si que population haïtienne non. Li perdit confiance dans autorité policière nous. Et si que perdit confiance dans autorité dans plus haut niveau dans l'état et parce que si la passé avant yo, yo c'est des bluffeurs, yo c'est des racketeurs, yo crasé paysan et je dis qui fait que quel que soit monde qui dans l'état qui je dis là t'a vienne parler avec peuple li pas fait monde sa confiance des Ibenes. La situation en pile fois et nous garder, nous tendre, nous chercher à comprendre ensemble des positions que citoyens et qui peut-être a bénéficié du travail la population et nous poser peut-être une question qui ça cause que comportement comportement ça. Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que ils ont trouvé en pile fois dans des situations que autorité qui ont dans le pays pas jamais parler vérité dans ça qu'ils ont dit mais ça vient permettre que population manque confiance dans ça qu'ils ont dit. Mais dans le cas de la police, c'est un coup de dire, l'immérité, qui a des questions dans l'autre dimension, chercher à comprendre le sacrifice que monsieur a fait, parce qu'en pile, il y a qui déplacé, car dans des quartiers, et ça a fait en Haïti, c'est grand banditisme. Exact. En pile, policier abandonné déjà. Mais ça, qui était on essaie de trier ça qui est bon là-dedans, parce que il y a des mauvais graines là-dedans, tout, blesse personne pendant qu'il y a des graines, quatre batailles. Pour la parole, adjoint, police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, qui présentait bilan, opération, la police arrivait mener, et la police avec officier Kenya, parce que c'est pas policier tout simplement. Exactement. Il arrivait mener dans Gressier, dans base Cocorat sans race, à dans base Crasé Barrière, dans Torsel, il fait quoi? Il y a une vingtaine de bandits, Crasé Barrière, arrivait tomber en bas balle la police, pendant qu'on a échangé. Il fait quoi? Il y a plusieurs autres qui sont blessés, dans cadre opération ça, d'après ça, Lionel Lazare, il fait quoi? Les personnes. Il déclarait la police récupérait plusieurs armes, munitions, téléphones, matériel et équipements sensibles. Il demandait support population pour continuer à aider la police en cadre mission qui a gagné dans la bataille qui a permis de reprendre le pays dans tout niveau. Blaise, le pays a une grosse annonce sur lui.
Ça a passé. Pour 17 octobre, qui est là. Ah, okay. Pour commémorer la mort en presse Jacques Dessalines, et bien, dirigeant, réveil national, pour ONT d'Haïti, avec Alielio, annoncé les personnes, une journée manifestation d'emblée, 17 octobre, qui est là, pour nous dire, c'est une occasion pour capable commémorer la mort Papa Nation de Jacques Dessalines. Dans l'occasion, il fait quoi qu'il y a bien, il y a une messe action de grâce qui absente. Non, mais moi, après, d'après dirigeant arrivé là, Jean-Tel Joseph, il fait quoi international là, qui passe le même pour détruire Haïti, l'image des populations haïtiennes, puis prendre responsabilité pour faire face avec question ça, parce que il paraît extrêmement difficile. Frein, c'est équipe qui Philippe fait partie de la situation, ben frein dit, il n'y a pas prêté. Ou y a gardé question comme ça, y a mobilisé dans tout niveau 17 octobre qui a venu là, y a rien pour dans la ria et fois ça Guy Philippe annoncé l'espèce là avec sécurité il pas pas d'accord pour pièce nèg qui prend des lots manifestement illégal qui pour venir au gaz l'a réagi. C'est ça que Guy Philippe déclaré. Non, est-ce que chap et en grandeur sur la porte prince que la vie. Bon, par contre qui côté la pied, mais Guy Philippe dit pas d'accord pour la gaz, non mais des nèg qui prend des lords manifestement illégal l'a bien pour riposter et réagir. La 17 octobre, il a annoncé la couleur dans tout le pays d'Haïti et dans même département de la Tibonite. Au Gonaïves, mouvement annoncé, dans Ville Semak, mouvement annoncé, dans Port-au-Prince, mouvement annoncé, dans Grand-Anse, mouvement annoncé, dans Sud, mouvement annoncé pour dire avec autorité dans l'état, ça qui a passé là, il n'est pas normal, les personnes. Leslie Voltaire. Ça a passé. Lavalas. Hein. Si chinois. Actuel président Conseil présidentiel transition. Mm-hmm. Monsieur n'a un litige sérieux. Avec qui est? Monsieur envie mettre à terre chancelier haïtienne. Nous voulons parler de madame Dominique Dupuy. Mm-hmm. Pendant Gary Conny rentré là, t'as une convocation qui était faite pour Gary Conny tal bay rapport, tal répondre pour qui ça était fait madame Dominique Dupuy pas répondre avec rendez-vous qui était bali après 79e Assemblée générale des Nations Unies. Mm-hmm. Le bagaille semblait chinois. Les Chinois fâché et pas oublier que les Chinois c'est Lavalas que lié et l'autre dit Lavalas ou est Aristide. On va avancer les, on va avancer. Pour des prépositions par rapport à Jean, il a traité compatriote haïtien. Information t'a fait quoi que Leslie Voltaire réalisait que madame Dominique Dupuy était trop sévère à travers les propos, à travers les mots qu'elle t'a utilisé pour te parler avec la République dominicaine. Et elle t'a tout gardé tout. Pas oublier des citations, mon petit monsieur, pas oublier que Leslie Voltaire a besoin de retourner encore ce domaine. L'été malade récemment, il a été couru aller. Avec il a, j'ai madame Dupuy réagi, hein? C'est comme quoi elle tout boucher barrière pour que Leslie Voltaire parle. Pas nous, mon bagaille autour, comment qu'elle enchaîne un bagaille au désir? Très bien. Madame Dominique Dupuy, qui permettait de donner la bouche pour garder question en blesse personne, lui-même garder compatriotes, nous, qui dans Springfield, qui dans Ohio, cap qu'on est une situation très difficile, et dit le pas normal, ou ça continuer sans des nègres fâchés, esclaves blancs, yo. Esclave colon yo, yo fâché blessé de son, yo envie retirer Dominique Dupuy. Y a des citoyens qui disent, c'est dernier goût de l'eau, cabrin, reste vaza, parce que ouais, jusqu'à présent, dans le gouvernement, ça, si y a un monde qui va la coca compter sur lui, la difficile pour le pas Dominique Dupuy, jeune femme à quoi ça, cap goumet, représenter pays valablement blessé de son. Songez, discours que Edgar Leblanc-Fils te lit dans les Nations Unies, Edgar te gagne courage. Pour te dire, c'est le ministère des Affaires étrangères qui te prépare le discours à Bali. Sans doute, c'est des coups de crayon, madame Dominique Dupuy, blessé de son. Décidez les sèmes ou bagaille. Ouais, question qui a pété ça, m'a venu avec la police, non, oui. Et ça m'a dit capable de déranger. Mais c'est une vérité pour moi-même. Ouais, que même gens que Leslie Voltaire, qui chinois, qui c'est actuel président qui a pété, qui m'en a arraché. Pour révoquer madame Dominique Dupuy et Gary Conny Kapé en bon en GDG béton en bon 18 li dit que madame Dupuy pas révoqué et pour révoquer madame Dupuy pour ta craser tout gouvernement même les que Gary Conny montrer que pas gagne comme problème entre lui-même avec KPT1, menti. Ge gros litige. Ge gros torchon kaboulé entre PM Gary Conny et puis conseil présidentiel yo. OK? Parce que si à chaque fois que PM Conny
a montré que pas de problème, mais c'est parce que des problèmes qui fait que la vente ou la bagarre dans l'opinion. Bah, on comprend ça, m'dia, non? Mm-hmm. Si à chaque fois que les que PM Gaïkoni est sorti à l'étranger, il est entré en Haïti, ou dis-moi ce que dans des conférences pour la presse, la montre que pas de un et comme problème qui existait entre lui-même qui a dit le gouvernement là et qui a pété en sémenti, c'est parce que il y a un problème qui existait entre deux têtes exécutives. Parce que pas oublier que des Ivenes, monsieur Damio te dit que il n'y a pas qu'à quitter seulement Ariel Henry à diriger le pays. Il y a pour que ça n'y ait un gouvernement bicéphale. Ça veut dire que la présidence est la primature. Il y a arrangé avec CARICOM, il y a arrangé avec les Nations Unies, il y a arrangé avec les États-Unis, il y a vu une question KPT et KPT a vu une question de mais est-ce que nous connaissons que depuis nos choix, depuis nos votes de Gaïkoni, eh bien, bagala pas jamais et pas jamais bien dépassé. Depuis nos choix, si Gaïkoni, bagala pas jamais douce. Jusqu'à ce que nous avons choisi Gaïkoni, Gaïkoni installé, Gaïkoni monte gouvernement, et jusqu'à ce que je tiens là, pas jamais de harmonisation, pas jamais de tête ensemble. Entre Gaïkoni, gouvernement Konilan, avec Mam Kapeteo. Et je dis, Baba nous menti, Gaïkoni c'est boss des boss. Gaïkoni qui est plus gros bras des bananes, parce que Kapeteo. Et ça nous clé sous lit. Et je dis, en plus, nous comprenons que si que l'équipe Kapeteo pensait que il est capable de jeter, il est capable de capoter, Gaïkoni est capable de capoter tout, ministre Dominique Dupuis, eh bien, il a tout crasé conseil présidentiel transition. Parce que, savons nous connaît jeudi à des Sivenes. Leslie Voltaire, monsieur son Lavalas, qui enraciné, monsieur c'est un Aristidien, nan nam et nan zo. Et depuis après 2004, la valace pas au pouvoir en un pays. Fanzi baga la clé. Eh bien, rive Leslie Voltaire comme président et KPTA, eh bien, c'est comme quand on a dit que c'est Aristide qui est sous pouvoir. Pas de débat sur ça. Et Aristide, c'est qui rancunier. La valace, c'est de monde qui rancunier. Et yo di baga la clé. Yo ge longtemps que yo dehors. Je dis, il y a ces mois-là pour casser, briser le pays. Et pour être capable de régler la cause avec les gens qui te font du tort. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas faire vengeance? Exactement, mon cher Lavalas, vous dites. Et Lavalas, vous dites. Mais l'autre, ça pour nous comprendre, il y a des gens qui disent clairement Leslie Voltaire n'a pas qu'à révoquer Mme Dominique Dupuis. A tout crasé pays. Leslie Voltaire pas qu'à crasé gouvernement Konilan. Parce que il y a un proverbe qui dit dans la alors gon parole dans la Bible qui dit ou gen un gros bout de bois dans chez ou alors que ou veut ti pa qui dans chez l'autre là. Et il y a un proverbe haïtien qui dit avant que ou al veut ça qui en dans caï voici hein. Regardez comment état en dans la caouillé. Si je dis, selon un pile monde, il y a trois conseillers qui nous citent dans le volet. Il y a trois conseillers qui nous citent dans Mimi Miao. Il y a trois gangsters. Il y a trois braquets en un conseil. Qui c'est Louis Gérald Chil, qui c'est Emmanuel Vettiler, et qui c'est en même temps Smith Augustin, que ULCC. Avouez que M. Sayo, il est impliqué dans des scandales de corruption. Et je dis là, Leslie Voltaire accepté et d'accord pour que yo capable voter, pour capable venir dans tête capété. Il pas mettre M. Sayo sous côté. Alors que dans l'émission Gazette News avec Assad Volsi, eh bien, 22 jours avant que 7 octobre,
Leslie Voltaire te dit que si yo fini par trouver que trois messieurs sa yo, yo ta impliqué dans scandale corruption, y a prend de décision, y a mette messieurs sa yo sous côté. Alors que pour que Leslie Voltaire capable vienne président conseil là, il accepte faire compromission et compromis avec et trois conseillers braqués sa yo. Trois conseillers acquisés comme des volets, parce que yo admet que Nexio impliqué dans ce qu'est la corruption BNC. Mais je dis là, des gens qui dit avant même que Leslie Voltaire t'a révoqué trois conseillers et t'a révoqué Madame Dominique Dupuis, Paul t'a pensé révoquer trois conseillers sa yo, qui c'est trois braqués. OK? Mais tout autant que le pas capable de révoquer. Eh bien, trois conseillers ça, qui impliqués dans ce scandale corruption BNC, eh bien, il n'est pas capable de révoquer, il n'est pas capable de révoquer Madame Dominique Dupuis. Et je dis là, PM Garikoni, M. Kapé en GDG béton, M. Kapé en mètre béton, derrière Madame Dominique Dupuis. Et je dis à ma petite peuple haïtien, quel que soit le Dominique Dupuis, quel que soit le et PM Gary Koni, gouvernement Koni, là, quel que soit le KPT, je dis, il n'y a pas de pape ici, le peuple haïtien, en rien. Je redis samedi. Ça a dérangé, oui, mais c'est en vérité. Parce que, dans ça que le peuple haïtien, je dis, dans la question de sécurité, et côté que bandit prend tout le pays, mon a besoin de sécurité, mon a besoin de la paix pour fonctionner. Alors que ouais, je dis, hein, c'est une bataille KPT, c'est une bataille gouvernement, c'est une bataille et ministre du puits. Tu avais dit, mais quel que soit moun sa yo, yo youn pap re-itil paya en yen. Yo youn pap re-ede paya nan en yen. Ki donc, je dis, hein, ma petite baga la clé, si ge pou krasé, si ge pou voyale, si ge pou kapote, mais pep haïtien, hein, pare nous, pou nou kapap fè taboula rasa. Peuple haïtien, parez-nous. Pour ne pas faire taboula rasa, craser, ni capété, ni gouvernement, je ne pas dire rien. Mais je dis, le message là est clair. Et il y a joint et président capété à Leslie Voltaire. Il y a joint conseil et conseil présidentiel. Et la joint gouvernement, pour dire que, monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, qui c'est deux têtes exécutives là, yo pap itil paya en yen que j'ai des privilèges alors que jusqu'à présent situation insécurité, situation misère, situation calamité li pas suspend augmenter en un pays des Ivonnes. Bref, ça son même tout temps dit ça et quel était conseil présidentiel transition qui avec 9 membres et Caleb Office semble jeudi et hier t'es resté aller dans le bureau. Exactement. Comprendre? Et là, yo continue à faire, je vais te coquin, je vais te mettre dame, yo n'allez, yo n'tourne, yo n'a dit qu'il n'y a pas en accord, et au fond, y a par en bas, yo continue à faire, par yo, pour continuer à rendre dans une situation difficile. Quel t'es capité? Quel t'es gouvernement? Yo tout, y a pris de la fait par yo. Gaï, qu'on est déplacé, ok? L'aller, au Kenya. Arabes Unis, l'aller au Kenya. Arabes Unis. Retourner. Qui s'attendait que Gaï, qu'on est bail comme contenu, qui convaincant. Ah. Aller dans l'espace, aller visiter, côté fabriquer blindé, côté fabriquer ZAM, kounya yo mande ou pour nous avancer. Pour ka... Tout ça, pas de besoin de déplacement. Déplacement, puisqu'on semaine en voyage, vous avez tout ça. Yo. OK? Monsieur, arrangez-vous pour y faire temps passer. C'est un processus de faire temps passer qui comprend que la situation est beaucoup plus compliquée dans le pays. Ya. Bon, mais qui s'en café, Moyen limité, avec moyen qu'on gagne, on croit donner ça pour nous faire. Malheureusement, ce jette quoi qu'on jette, mesdames, parce que c'est ça que nous avons arrangé pour nous faire, nous fait temps passer, et puis nous tout kidnappé pour voir politique là. C'est ça que nous avons fait là. Et est-ce que l'histoire a remonté, 2004 et 2024, c'est la valance qui sous pouvoir, je dis en blesse personne, en 2004, la valance zélé, te dit c'est Guy Philippe qui te voyé, je mettrai un récit d'aller. Est-ce que pour une autre fois, Guy Philippe, notre opposition politique qui annonce le mouvement général dans tout le pays, 17 octobre, Kabila, pour avoir une chance pour capoter et Leslie Voltaire, qui notre conseil présidentiel de transition, on a dit que la valance
sous route pour la prendre un deuxième saut. Non, mais qui finit par ce sénateur et Gunnarsson, Blaise Peterson. Est-ce que la police prend le gaz lacrymogène pendant vite l'homme boulet en blindé? La police présentée, yon série fusil tout rouillé, on série fusil chasse tant que c'est fusil 12. Est-ce que c'est qu'à éviter l'homme qui est-ce que c'est vieux âme qui éviter l'homme pas d'observer encore? N'a pas été dans un coin, que la police a découvert le coin, il y a un âme ça. La police dit, il y a 20 bandits qui tombaient dans 4 opérations qui ont mené. Après, on a posé cette question. Dans le niveau qui était la joie, dans quel nègre qui t'a pété du fait dans le blende ça, est-ce que c'est des nègres qui attristé pour compatriotes? Parce qu'on est qui c'est chef gang, qui a 20 employés, 20 éléments qui travaillent avec qui tombé. Psychologiquement, ou à pratiquement, ouais, et s'il frappe dans le niveau ça. Mais comme c'est la police, nous-mêmes nous pas gagné, et pour nous cacher sur le travail de la police, l'abdi la police, mon travail, continuez, surtout il y a 20 bandits, ou saisir 20 âmes, ensemble matériel sensible, eh bien, nous t'as qu'à dire torsel, peigné, il y a sous contrôle de la police qu'on y a. Gang vite l'homme, il nous a dirigé, sans doute crasé barrière, il n'a couru. Il n'y a pas d'espace encore. Si ça m'a capable comprendre, si opération 20 âmes, c'est parti ça, c'est 20 soldats qui désarment. 20 soldats qui désarment. C'est manche longue dit. Malgré moi, Lionel Lazare, il trouve dans les possibilités pour le bail calibre Zamio. Mais moi-même qui gagne Dieu, qui connaît l'agence de sécurité qui a des âmes, pas dis-moi sur équipe 12. Tant que c'est 12 anciens militaires qui ont utilisé, ils ont pris, ils ont foué, ils ont tout, mais l'armée a crasé, et puis. Semble que vite l'homme innocent et contre des armes été serré, là le problème est dans et puis la police a le problème, c'est personne. Et question que nous devons poser, trois détails dans la conférence. Quand ça me gilet ça, moi qui marque police là-dedans, radio communication, police, est-ce que c'est policier qui n'a tué ou prend ça ou bien c'était nec qui te responsable? Est-ce que c'est les crasés commissaire ou prend ça ou qui ne va connaître? Non, c'est des détails qui pas clair, mais il a parlé de yo dans la conférence pour la presse. Que Lionel Lazare a organisé pour la police de succession. Bon, on nous quitte Lazare parler parce que l'image a passé sur l'écran là, mais on peut mettre nous de Lazare, mais j'en ai dit en désévenesse, moi avoir comme journaliste et comme directeur d'opinion, et nous avons droit pour nous poser des questions, ça c'est clair, nous avons droit pour nous poser des questions, nous avons droit pour nous faire des analyses, mais pendant que j'en ai dit, nous n'avons pas d'expertise, nous n'avons pas de cracher sous travail de la police, parce que, au contraire que nous croyons que en plus monde est capable de valeur avec travail la police non, mais en même temps tout l'imande que avec autorité autour pour que yo comprennent tout. Et je dis en peuple haïtien perd confiance dans la police, li perd confiance dans autorité yo, gade bagay lè ou di, et si pas vraiment gen des preuves, des éléments palpables, vaut mieux que yo pas dit rien, parce que lè ou di et lè ou présenté, lè ou parlé, li vin créer plus parler en pile dans la population au lieu que yo t'a prend confiance, au lieu que yo t'a pas vraiment ba importance avec ça ou di. Ouais, si que kava la police nan nan bilan ça qui présenté là, ouais, si pas de chablen de te boulé. Et si que tu prends bandi vite l'homme innocent, soit tu mouri ou bien salte yon, ouais, je dis à désir, tout ça que Lionel Lazare t'a dit, que peuple nan t'a cruel, pendant que tout débat ça yo, pendant que questionnement ça yo, ou comprenez l'homme le dit, et parce que mon premièrement, yo trouve que le fait que la police gon chaque boulet, eh bien, yo trouve que c'est échec que la police fait, et vite l'homme innocent, gode que plusieurs médias te déjà couru bredi que vite l'homme innocent blessé, alors que vite l'homme innocent fait vidéo pour montrer qu'il pas blessé, il pas gagné rien. Vous comprenez? Et fin juin que la police présente un ensemble de Sam. Les moun yo gade, yo e question équipe bande Sam, yo questionné. Est-ce que Sam sorti dans mes bandits vraiment? Que nous pas connaît, moi-même pas connaît avec des Ivenes. C'est le calibre que moun yo habitué ou dans mes nègres, si on sait des armes tout neuf. Parce que les gade, même dans ces vidéos que les gars boule chats, yo e qui modèle Sam que nègre gagné dans mes yo, et yo e qui la joie que bandit et nègre content. Que là, les vin questionné. Et de ça, la police a dit, hein, avec réalité, hein. Même a dit clairement des Sivenes, et pas une raison tout pour que, et n'a craché sur la police. D'ailleurs, moi, des Sivenes, pas que ça dans l'intention. Et c'est parce que, les que nous tendez, les que nous gardez opinion, on cap parler, cap réagir, et je crois que même autorité, yo tendez et yo ouais, réaction, opinion en tout, et ça fait que nous capables questionner, et ça fait que, mais nous même tout, nous venons dire que la police, non, et essayer les premières opérations yo rendre que opération yo yo que bon chez formation et pour capable arriver atteindre cible
Sinon, si le conseil a venu sur tout état bandit, il a présenté un ensemble de matériel, et bien, peuple a consigné par quoi dans la parole autorité policière des civils. En ce sens, moi, je pense que la police modèle opération ça y est, puis on a été sous silence. Puis on a été sous silence au lieu de venir parler. Parce que chaque fois qu'il y a parlé après l'opération, il crée plus confusion dans la population. Exactement. Ouais, pour le département de l'Antibonite, question confiance en la police dans la population civile, là, dit ça c'est perdu. Parce que la police vient après 12 ou 13 jours après massacre consondé, il est disponible dans le département de l'Antibonite avec 11 ou bien 14 blindés, tant que gens, organisations qui annoncent le mouvement Odile. Et puis, on y a pas jamais fait fête à l'encontre des bandits, ou plus sorti ces bandits qui a cherché guerre, parce qu'ils étaient basés pour venir attaquer la police, dans le niveau, et Kafoupey. Dans le niveau, passoire à l'encommissariat. Et Blaise Peterson. Route nationale numéro 1, dans le niveau Kafoupey, toujours été inaccessible, malgré présence de la police dans l'espace. Parce que bandits basés, ils sont toujours sortis pour venir voir coup de balle sur la population. Et autant de Lionel Lazare qui dit que la police a mené opération en profondeur. Ça, mes amis, monsieur, c'est craser l'institution. Qui ça consonde te gagne? C'est un groupe nèg qui sorti dans sa vie qui vient attaquer consonde. Consonde pas de gagne, base gang qui te stable là-dedans. M'a fait la police connait ça. Principal quartier gang dans le département de la Tibonite, c'est sa vie. Dans la première section communale de Tirivière la Tibonite. C'est Palmis dans la deuxième section communale de Tirivière la Tibonite. C'est la Croix-Péris qui trouvait dans la commune Lester dans l'arrondissement des Gonaïves. C'est là qui gagne gang avec zam nan mais cap terrorisé cap kidnappé cap violé koun ya sou mandem l'autre zone est-ce pas gagne des exam m'a dit oui le gagne des exam qui proche population dans cellule autodéfense dans coalition tant que Jean Aurel et Leroy chargé moun sa yo est-ce que c'est moun sa que la police a fait opération contre la profondeur on va connaître mais quand ta pour bandi bas gang qui pas gagne opération bon d'ailleurs on aller après 12 jours dans en mission avec diverses unités spécialisées dans la police. Combien de bandits qui ont été arrêtés dans la Tibonite, dans la base de Griffe? Combien de bandits qui ont été mortellement blessés par la police? Et puis, ils sont fiers pour dire que l'opération, c'est l'opération qui permet que la population ne fait confiance avec l'institution, avec ça qui a dit les personnes. En plus, on a regardé Lionel Lazare comme un personnage dans le Sinapoua qui a défendu la population et qui a défendu les policiers. Mais je dis, l'on a attendu Lionel Lazare. Ou elle rentre dans spirale, elle rentre dans situation qu'apprenne par la plus fragilisée pour population dans divers axes qu'il y a fait. André de Lionel Lazare. La police nationale d'Haïti, PNH, pour sonder sous population dans la zone pour sonder et jour quitté 2 pour l'ouvrir 3 octobre 2024. Force l'audio te pote renfort dans la commune Saint-Marc par les policiers qui étaient déjà souterrain. Yon façon pour te bail yon réponse proportionnelle avec bandits criminels. Dans quatre déploiements, sa police nationale d'Haïti te intensifié opération yo dans le département la Tibonite pour traquer gang criminel sa yo. Pendant PNH la continue intervention à coopération policière yo, faut que nous dit gen plusieurs bandits qui tombaient dans échange coup zam coup de balle ak force l'ordre. 6 individus jouent arrestation yo, parmi yo, Fedler Metellus alias d'abord, Mam Gang Kokorat Sanras qui t'a installé dans zone Passerenne, deuxième section communale Henry, ak Edson Arisma, chauffeur deuxième chef gang Kokorat Sanras là. Mettez sous ça, agent Lodjo, libéré plusieurs otages, monsieur Bandio te kidnappé. PNH t'a en tête collé ak mission nationale là. MSS là a continué mener opération pour démanteler foyer criminel ça. Agent l'audio renforcé présence dans diverses zones dans département la Tibonite là pour capable sécuriser vie et bien population. Force l'audio augmenté patrouille dans diverses villes et localités dans département si là tankou Verret Ponsondé ça vient à Patchoual. Fonti capé. Non, là, non, ça c'est trop blaise. Verret, il tag Verret, yo. Yo gagne 22 mois depuis yo présent. Il a fait résistance. Lionel, là, ça parle de ça vient, oui. La police, ça vient. Mais, n'est-ce pas sérieux, blaise? Ça vient, dit la police, oui. Pourtant, il y a un jour, il faut même pas me vous le dire. C'est Kafou!
Blaise, c'est Kafou Pè, bon, dis ça, vient faire festival coup de balle avec, avec la police, presse chaque jour. Mais faut ne pas faire moun ça. N'est pas possible. Semble que Lionel Lazare, c'est un héros qu'il fait. Non, Et route nationale numéro 1 pour me parler avec Lionel Lazare, sans doute l'a regarder, l'a attendre. Même moun pa ka fréquenter route nationale numéro 1. Nous c'est parler de bail assurance protéger vie à bien dans diverses zones à travers département. C'est celle verrette qui des moun ka vivre là-dedans. C'est depuis 22 mois oui que il t'a présent verrette que verrette qui moun a vivre là-dedans. Li en contourner désert route à gros fatra gros zèbre levé là-dedans. En de caï moun yo c'est gros pied bois levé là-dedans oui. Jusqu'à présent, dans la minute qu'on a parlé à la rue, dans la portion de ce chaque après-midi, quelqu'un de monde qui chape pour venir faire manger la caille, c'est courir pour un camionnette, descendre, c'est ma campagne. Parce qu'il n'y a pas de garantie dans ça que les gens viennent faire la blessure. Puis quand les gens baillent menti, l'homme baillent menti ou à cause, plus de monde victime, et bien, c'est pas un film tellement confortable, ils ont annoncé l'autre massacre dans l'autre localité, toujours dans la première section de Jean-Denis. Ils n'ont pas qu'à faire moun ça, blessure. En tout cas, il y a là ça frère, on connaît avec ça dit frère, en avance. Activité reprendre tant qu'au marché Ponsondé a, ça fonctionné, tout le monde venu acheter sans qu'elle saute. Dans le département l'Ouest. Dans le département l'Ouest, la police nationale d'Haïti a poursuivi avec série opération yo dans l'idée pour traquer gang terroristes criminels. C'est dans sens ça. Sorti 19 pour arriver 27 septembre 2024 là, on gagne environ une dizaine de bandits qui mortellement blessés dans le cas d'échange de tir avec la police nationale d'Haïti dans la commune Pressier. Il y a 3 armes qui confisquées, un fusil type M4 avec un pistolet, un fusil calibre 12 Mac Taurus qui est propriétaire police nationale d'Haïti qui récupéré dans le cadre opération ça. De l'autre côté, PNH la prend bon gens disposition sécurité pour empêcher bandits rentrer dans la commune Léogane. Pendant temps ça, la police a continué traquer gang yo. Et vous entendez ça là, ça monsieur dit? La police prend bon gens disposition pour empêcher que bandits rentrer dans la ville Léogane. Mm-hmm. La police prend bon gens disposition pour empêcher que bandits rentrer dans la ville Léogane. Bravo, c'est bien. Parce que nous songez ça a gagné 2 semaines, il y a un gang qui a dirigé comme un grecien, monsieur a annoncé menace sur le monde Léogane. Nous sommes bien content que ça, Lionel Lazare dit, c'est vérité, parce que depuis après, et déclaration bandit, et ma connaissance, 103 zombies, tu es fait. Mais alors, c'est des tigresses. Tigresses, ok. Le monde Léogane, il n'a pas dormi, parce qu'il y a veillé bandit. Elle avait dit, si que la police prend disposition, bravo. Elle dit, mon yon met dormi tête prête, ou dit, mon est-ce que mon yon met arrangé yo avec la police nationale d'Haïti. Mais Kounia, qui s'acte empêcher la police que le pat prend même disposition ça, ou balade si bonite, pour te empêcher que bandi yo pas de faire massacre sa sou moun nan Ponsondé. Comme Ponsondé déjà arrivé, on souhaite que pas gen de l'autre massacre que bandi yo fait, comme c'est Léogane qui sous menace bandi. On souhaite que eh bien, la police c'est pas seulement prendre des dispositions pour empêcher que bandits et pas faire massacre sur mon Léogane, mais c'est prendre des dispositions tout pour que yo finalement décide tirer, démanteler, dénicher bandits armés dans Léogane. On souhaite ça des Sivenes. On avance avec Ulan Lazare. Yo n'agresser jusqu'à ce qu'il arrive déloger criminel yo. Yon façon pour faciliter libre circulation paisible citoyen yo. Opération nan Torsel qui se fief chef gang kaze barrière terroriste criminel vite l'homme innocent a dirigé. Samedi 12 ak lundi 14 octobre 2024 la PNH ta menen yon opération misclé nan fief gang kaze barrière qui gen nan tête li criminel vite l'homme innocent. Pour te réaliser opération si la,
plusieurs unités spécialisées dans PNH là étaient engagées et qui étaient joignent support contingent MMS là. Dans cadre opération si là plus passé 20 bandits mortellement blessés dans cas d'échange de tir avec force de l'audio. Chargé. En pile d'armes qui saisit. En pile d'armes saisit. Aïe. Oui, mais bah, ça fait ça là, non. Pas fait ça. C'est plus passé 20 bandits. Aïe, dit là, nous quand nous sommes 25 là, nous quand nous sommes 25, 29 bandits là, mouri là, non, bas éviter l'homme innocent. Selon ça, il y a là, ça fait qu'on est là. Et plus passé 20 bandits mouri. Ok. La police rivée saisit plusieurs téléphones avec matériel, avec équipement sensible qui tenant en possession gang crasé barrière. Agent Lodjo, pendant l'opération ça, a fait une pénétration dans la zone stratégique, même organisation criminelle crasé barrière, logée dans Torsel. La police a perquisitionné Youn Nankai, selon information service intelligence, institution a gagné, théoriste chef gang, vite l'homme innocent, utilisé comme cachette. Force l'audio confisqué plusieurs effets personnels, gens que nous avons gardé là. Chef gang vite l'homme innocent parmi eux, yon chaîne, et dans le moment, deuxième chef gang, groupe terroriste Kaze Barrière, yon connaît ce nom des hommes, blessés par balle et manqué par dipôle. La police avait confisqué 15 armes parmi eux. 11 manches longues, à 4 manches courtes, et puis divers autres matériels et équipements. La police. Qui calibre manches longues, yo? Pas ça, pas qu'il y a encore, non? Attendez, Blaise. Pas ça, parce qu'il y a encore. Blaise. Non, mais pas qu'il y a un bagage, non, maintenant. Attendez. C'est pas, c'est pour un profane qui a parlé. Oh, à manger. C'est un professionnel dans la question des armes qui a parlé. Ou à bail, une conférence pour la presse, une opération que la police menait. Ou dit le temps pour son profane. La police saisit 15 manches longues. Mais, yon genou, et pas dans la gredance, li dit que la police saisit yon 12 qui se propriété la police, et la police saisit soit un AR-15. Mais pour qui ça ensemble, nous avons que nous prenons, nan m'invite l'homme, nous pas mettre calibre sur table pour nous dire que nous calibre, j'en ap dit pour l'autre, manche long, comment manche long nan? Gon zam gèle manche long? Moi, je connais ces profanes, moun ki pa konnen nan question zam, ki wè zam nan menèg yo, ki rele manche long. Yo di ou pa ka pote parole la police pour présenter un bilan, pour parler de manche long ak manche kout. Manche kout, ki kalib moun yo ap konnen? Fok ou moun ke monsieur plus explicite. Parfois, information yo bon le ap bay yo, mais nan façon ke yo bay yo, blesse personne yo mette moun nan confusion. Saisi. 6 gilets fluorescents, 6 képis fluorescents, 3 maillots fluorescents, 1 gilet par balle, 2 pantalons bidiou, 2 genouillères, 2 tablettes, 1 Mac Pad, et puis tout l'autre là c'est Mac Samsung, 2 téléphones, Backlay et un iPhone. La police veut confisquer 1 backup, 1 clé USB, Job Internet, yon Magic Jack, yon iPhone, yon phone stérilisé. Pièce identité plusieurs mouns, moteur Kawash Honda, noir et rouge, aspirateur, Mac Enco, 20 radios communication, parmi yon 15 radios communication de Mac Motorola, 10 radios communication de Mac Retevis, 2 radiocommunications Motorola qui se propriété la police nationale d'Haïti, 2 caméras surveillance, yon décodeur système caméra Mac Zossi, 9 adapteurs radiocommunications Motorola, 1500 cartouches calibre 12, 1100 cartouches calibre 22, yon drone de Mac Visua, pièces détachées plusieurs armes différents calibres, yon chaîne agent, 8 chargeurs AR-15, 8 chargeurs M14, 2 chargeurs AK-47, 1 chargeur 9 mm, 1 pistolet calibre 12 Mag SAPL,
série 040027, un pistolet 9 mm série AB 99-2208, revolver calibre 22 sans marque, sans numéro série. Yon zam pactis, yon pistolet entraînement, un fusil AR comprimé MAC Chahidan modèle 39DPA, yon fusil Springfield numéro série 85-94-58, yon fusil calibre 2200 MAC série 40-70, yon fusil calibre 12 Mossberg série US02-670, yon fusil calibre 22 MAC Ruger série 11-29-39-28-12, yon fusil 12 propriété PNH MAC Taurus PA-01-02-75, yon fusil M1 série 48-65-247, yon fusil Mossberg modèle Maverick série 96DE, yon fusil calibre 12 MAC Savage série 16-83-68E, 3 valises, on chaîne agent. Opération yo pas campé. PNH la engagé pour traquer gang si la pour y neutraliser terroriste vite l'homme innocent ak acolyte li yo. N'ap souligné dans cadre opération si la qui menait pendant 2 jours dans fief gang Kaze Barrière, force l'audio pas enregistré aucun victime. Malheureusement, gagné yon blindé mission multinationale support à sécurité a qui dirigé par force kenyan qui t'est arrivé tomber en panne et malgré intervention rapide technicien qui était sous place blindé si là pas arrivé retourner en marche. Message à clair, tout bandit qui pas voulait déposer zame et puis rendre tête à la justice, la police a marché prend yo. Dernière opération, la police là menait yo nan témoigner détermination et engagement pour déloger et démanteler tout groupe gang dans le pays, surtout dans le département l'Ouest et la Tibonite, qui toujours a cherché à semer la trouble et empêcher la population de vaquer à l'occupation. A gen route pa bois, quel que soit poteau caché, dans n'importe secteur yé ya, depuis où c'est bandit, la police a privé sous vous et puis météo en bas code. C'est pour raison ça, PNH là, sous leadership, commandant en chef là, monsieur Ramon Omil, prend disposition à multiplier et stratégie pour le craser tout foyer gang yo. Recommande la police à profiter saluer détermination vaillant policiers nous yo qui engagent chaque jour dans bataille sans camper contre gang contre grand banditis dans pays ya. Jean commandant chef police là toujours dit c'est dans cadre mariage police population MPP n'a privé rétabli bonne chance sécurité dans pays ya. Lionel Lazare de Sivenès, mais m'baba non menti bam tout garder pour moi côté ma joine PM Gary Koni puisque Koni était cassé tête tourné entré dans pays hein, et PM nan qui présentait un bel bilan et de voyage li bah satisfaisant net ça veut dire et candidat désiré soit papa gay espoir et donc Jean PM Koni parler oh mais c'est sérieux Jean PM Koni parler a gay espoir mon frère qui donc li seulement pour nous t'attendre pour nous ouais ça ca venir joindre nous. Mais PM n'a montré que vraiment gain espoir parce que là, il n'est pas déplacé en vain. Il rencontre et il promet Haïti un ensemble de données, un ensemble de matériel. Il rencontre avec des experts. Et donc, je dis en là, on nous étonne. Mais j'aime dans des PM qu'on a parlé à des Ivenes. Et j'aime me conseiller à parler là. C'est comme quoi que Nego commanda 5 ans en même. J'aime dans des PM n'a parlé. Pour ça que moi, je promet, ça peut venir, ça peut joindre. Et j'ai me temps de conseil à parler, tout c'est comme quoi m'a dit des Ivenes, messieurs, dames, deux têtes exécutives, yo, yo commandant 5 ans en main, yo, qui donc,
et c'est sous 5 ans qu'il a fait sa affaire. Mais oubliez que, actuellement là, il y aurait été 14 ou bien 15 mois. Il y aurait été 14 ou bien 15 mois. Et pas plus que ça. Bon, bah, qu'on est, si dans 14 ou bien 15 mois, il a fait des miracles, bah, qu'on est, mais ça, j'en parlais là, c'est montrer que, mon cher, il y a qui faut pas quel bagage dans 14-15 mois pour mettre campé sécurité, organiser question conférence nationale, réforme constitutionnelle, organiser élection, état de droit, état ceci, économie paysan. Moi-même, moi dans rêve, moi dit moi que est-ce que monsieur dame Sayo, c'est un mandat 5 à 10 ans gagné dans tête paysan. Pourquoi nous pas connaît? Parce que yo ka plonger paysan dans transition éternelle. Mais m'a dit que m'pas garanti que ça nèg yo a dit là et dans 19 mois ou dis-moi c'est dans 15 mois et dans 16 mois qui a fait tout bagage ça. Pour même penser que c'est dans 2 3 ans il a fait bagage ça. En tout cas, en dans des PM là parce qu'il dit si marital dans marché, l'hypothé bonne nouvelle. Pas vrai PM? C'est vraiment un pile plaisir pour nous retourner la caille nous. Ça fait plusieurs jours depuis de dehors. Pas problème. Et Jean, Monsieur Les Augustes dit là, on a visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, dans le Kenya, on a rencontré le président Outou. Ouais, ça, il était important pour qui ça? Depuis nous entrer dans le gouvernement, on constate fait et qu'on constate qu'on a répété. Bataille, ça a pour nous gagner. Je voulais bien insister sur le mot, ça a pour nous gagner bataille. Pour ne pas quitter la situation, ça a pour le gouvernement qui a pris fonction en février 2026. Là, pour nous gagner définitivement, pour route, pas jamais bloquée encore, pour territoire, pas jamais contrôlé par gang encore. Il faut une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas condition seulement, ça rien, il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut avoir assez de masse critique qui peut aider Kimbe avancer sous gangue. Et deuxièmement, il faut que la police soit à l'armée, il y a les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. Équipement et technologie qu'il faut, c'est qu'il faut réduire cas de blessures dans le campement et qu'il faut réduire dommages collatéraux dans la population. Donc, deux événements, ça y est. Nous, Kaweli, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement PAM nous fait un pile avancé. L'un des commencés était peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne. Nous avons plus de 60. L'un des rentrés, l'armée et la police n'ont pas fonctionné. Ensemble, je dis, nous avons une task force. L'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble et opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrer là, nous équiper la police là comme ça doit, nous assurer que bon flux régulier de munitions, nous organiser nous pour être capable de gagner ça, pour gagner, pour être capable de continuer à faire travail là, et nous commencer ouais ça aujourd'hui. Le nous est que dans plusieurs côtés de pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération, mais malgré tout, nous beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir, je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi, pour m'assurer que nous gagnons un puits en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan A, c'est que nous gagnons un puits à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous capables de construire propre force panneau. C'est ainsi que là, nous gagnons près de 700 personnes qui ont formé l'académie de police, nous gagnons presque 700 militaires que nous avons recruté pour nous former. Donc, BUA, stratégie A, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider à faire face à ça n'a fait la première en attendant que la police avec l'armée soit capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est pour un bail qui a bien appris. C'est un bail qui provient tout de suite. Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment m'a créé espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion et voyage nous fait. Hein? Évidemment, le but c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti soit-il dans ces circonstances liées là, elle n'a pas obligé de dépendre d'anciens amis, mais obligé à chercher de nouveaux amis. Tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin la souffrance du peuple haïtien et qui a rapporté aujourd'hui
qui très 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 disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime se dire là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto au Kenya. Et objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Libre engagement personnellement tout pour relier l'autre pays que le connaît, qui a une relation avec eux pour venir aider nous. Et nous avons que dans la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé autant, par exemple le Salvador, qui promettent mieux pour voyer le monde pour nous. Donc ça a rentré dans le cadre stratégique que nous avons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le mois arrivé, nous voyons le ministre Paraguay, nous voyons le Brésil, nous parlons avec le Mexique. Malé jodi à l'Emirat Uni, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne. Le montré, fonds communs est à peu près à 30 millions. Jodi à fonds communs, dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible. La population haïtienne. Donc, ça a rentré dans la stratégie. Ça. À qui ça nous tourne? Eh bien, pendant de là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec le vice-président lui-même qui organise des rencontres pour nous, lui assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap Cabanou, un appui rapide pour nous capables d'adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là, je dis. Nous sommes partis, comme dit lui, avec général Azemar, moi, voix de l'armée, nous sommes partis tout avec inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et il y a un gros groupe que nous avons rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous avons rencontré avec toute équipe qui est responsable de compagnie ça, ils ont démontré nous toute une série d'équipements que ils ont mis à disposition nous et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que eux même ils ont fabriqué qui capable à la disposition de la police et l'armée et ils ont demandé nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous pour nous avoir un flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels qu'Haïti pourra avoir besoin sous le long terme. Le moment où je suis rentré, je vois que c'est chaque ad hoc. La police a dit qu'il y a besoin de tel bagage, et puis il y a un gouvernement qui a lutté pour écouter, pour l'acheter, le kibol qui a joué, comment l'a joué, ça prend des mois pour y arriver. Une belle discussion à faire là, je dis, partenariat ça, à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, on y a la continue en phase ça, nous venons chita là avec l'armée la police pour dessiner ça au besoin, pour nous entendre nous sur ça qui flux besoin à besoin, pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour eux essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas arrêté là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, nous avons balancé le camp panoulier pour nous venir travailler avec le ministre de l'Agriculture au pays, pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons fait. Donc, sécurité a été au centre de discussion, mais nous gardons tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui lie à relève. Là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence. Pays ça. C'est un pays qui gagne les services d'intelligence les plus sophistiqués au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça a besoin. Vous montrez nous solutions que vous même vous gagnez la caille. Nous avons l'occasion de visiter centre que vous même vous gagnez la caille. Et vous parlez pour venir travailler avec nous, pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention, nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma retourne à la caille. Et déjà, ils ont contacté moi. Ou t'as pensé que c'est moi qui a contacté, mais déjà, ils ont entré en contact avec moi pour dire, attendez-nous avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin, pour eux-mêmes, ils continuent à accompagner nous.
L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée. Et nous avons apporté nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encaïtien. Nous formons une équipe, capo équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlerons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, vice-président, l'engager lui-même pour l'assurer que il appuie nous dans tout ça, n'a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je connais que le poil porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnent. Parce que Sandai, mais nous, il est moulé. Objectif là, c'est pour finir avec question de sécurité de manière définitive. C'est pour être transitoire, c'est pour être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources, ça, lui-même, il commence à venir, il faut continuer à venir. On a compté sur l'autre pays qui engage pour bannir nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous-mêmes, on a construit force, nous, à propre capacité, nous, pour nous assurer de durabilité et intervention qu'a bien. Et tout ça, ce n'est pas dans la fin qu'on pense à eux, c'est dans le début qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, quand nous traversons Kenya, nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il y a 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Calvin est avec. On continue avec PM Gaye Kony. Puisque Kony a parlé de bilan voyage, qu'il fait en dehors pays. Hein? Et espérer que nous jeunes, c'est pas dans bouche pour dire mais qu'on y a espérer que nous bras jeunes retomber, espérer que ça qui dit ça promet yo que nous bras jeunes désir venir. En avance avec Pierre. Avec nous déjà et ma fin nous un combat qui est très important. Normalement engagement c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous t'a cherché à m'a rappelé c'est 2500. Donc en fait 400 en phase qui t'a réalisé plus deployment. Mais malgré tout, yo beaucoup fin déployer net nous voit que 400 Kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince. Donc, il est déjà pleinement à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous avons une discussion avec elle sur la prochaine étape, sur la stratégie nous, pour mobiliser la communauté internationale, là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promis, pour nous visiter tout le même. Et mal l'ensemble côté que M. Edamion a formé, je me rends compte de quel type de formation que a eu gagné. Je rencontré, par exemple, des Haïtiens qui avaient eu la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, maintenant, avec impatience, pour venir renforcer nous. Entre temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains ont été pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui pour mettre nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui était pour mettre nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, général Derby avec DGDM, là, pour nous capables de continuer à avancer et M. Gagnon qui kembe pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc en gros, évidemment, pendant nous l'autre bois, nous sommes en contact continu avec chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours et nous avons déjà annoncé nous qu'à midi jeudi à chef police là pour aller une conférence de presse sur opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a mené hier et nous pouvons que le gars présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham qui est important pour nous là pour nous couvrir à parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait l'ambéa en même temps incluant qu'a fait la zone Gonaïve comme nous connaissons qu'a fait la zone Grissier comme nous connaissons opération qu'a fait la Kouniato pour renforcer et protéger port, évidemment, opération qu'a fait tous les jours, on va le chercher, on va dire côté oyé, pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comme mon voyage l'a passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui ont renforcé la contingence à capter la mille. Nous parler et le président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça prend force et capacité de réponse, nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous.
nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis qui ont même tout décidé de comprendre besoin nous et qui engagé pour accompagner nous pour ben nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti beaucoup plus efficace soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menace captanio. Et puis troisièmement j'aime dire nous paquet de secteurs qui clé pour nous quand pour sécurité alimentaire, quand pour énergie, quand pour intelligence. Les moyens. Donc, nous obligés pour nous prendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagaille, nous fait, ou elle, nous joignons une police tout qui n'a pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens pas nous, nous créons Fonds national de sécurité. Ce budget 24-25, là, nous augmenter de manière significative pour la provision pour la police, là, nous prenons des dispositions là, pour nous créer de meilleures conditions de travail pour les policiers et donc nous pas un gêne pour que nous-mêmes, force par nous, en mesure de faire opération et qu'elle opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça, nous-mêmes, je dis, on a 70 polices par 100 000 habitants, Kenya côté MDA, ou puis il y a 120 000 policiers pour 60 000 monde, pour 60 millions de monde, il y a 4 fois capacité, nous, fond la capacité pour l'un faire opération, ça, nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase, ça, nous, là, nous sommes beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier, la preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, l'un commencé, moi-même, Vini, nous avons une vingtaine de blindés disponibles, je dis, nous avons un peu plus de 60. Et nous avons dit que force spécialisée, nous, beaucoup mieux équipés pour mener opération ça d'ailleurs ouais mener opération sur plusieurs théâtres à la fois donc nous mieux équipés je dis effectivement pour nous rentrer l'antique d'engagement ça et pour nous capable soutenir ça me garde c'est que très bientôt on va sentir nous on va voir nous particulièrement dans ces quartiers et particulièrement sur les voies sur Maïka Vina toute vitesse nous en discussion avec et général là et chef police là pour nous avancer sur ça et au bon occasion tout pour nous dire là très important. Donc, nous disons trois étapes. Renforcer la capacité de police moi-même, faire partenariat international, la vigne, prendre engagement que le déprend, ça veut dire vigne, ben nous coûte, mais que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner là, avec toute l'autre série de mesures qui sont nécessaires, mais bon point là, que je pense qui est essentiel. Hein. Processus, ça, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. C'est comprendre que la population a obtenu un résultat. Et c'est pour ça, tout, je ne pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef l'armée, que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les institutions. Ça, n'a pas matériel, n'a pas les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultats qu'il faut obtenir. Ça fait 4 mois, nous, là, nous connaissons la population à obtenir et m'a de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas de l'armée et la police, les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, on m'a garanti qu'on n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Et CEPA, donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que l'on a un bien ça, on a un point de vue par eux, donc, nous sommes un environnement très sain pour nous capables d'avoir des échanges très sains sur vision nous et comment on n'a pas avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par un jour, que nous pas chita ensemble pour essayer de résoudre le problème noir deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais aller à CPT, je vais rencontrer, je vais aller rencontrer un du sur comment le voyage l'a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais attendre des doléances par avec priorité par eux, et je vais assurer que les priorités du pays sont toujours à la table des discussions, le moi-même, moi, dans la ville d'accueil. Même temps, des perceptions, et moi, pour qui ça grandit le monde, qui croit que j'ai intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, donc nous très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. Et j'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous avons fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait là rentrer l'école, dans pile bagaille qui a fait là la question de sécurité, dans paquet de bagaille qui a fait la question de gens à propriété et monde qui dans l'administration publique, dans paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça fait avec CPTA dans l'intérêt du pays, et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est Robert Pécou qui était reçu. Robert Pécou, rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le ministre. Si, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise, au Prince Salvador, après que vous déclarez l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que la moitié population pas maintenant capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capables d'une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Nous
pour capable d'une solution permanente nombre de policiers bien gounia forme capable augmenter forme capable équiper forme capable les moyens forme capable assurer policiers que ça a fonctionné système ça il faut comprendre que petit temps pour mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, nous, en attendant que le système prenne en place, nous-mêmes, nous avons des promesse ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposés à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on y a assez râlé l'urgence, râlé partenaires en urgence, et combien de masse critique ça a pour être sûr que nous n'avons pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Mais déjà, on commence à appeler avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que ouais, depuis que nous là, on voit que police là avec l'armée, nous approché par eux côté non seulement nous faire opération mais chercher consolider. Le y a l'un côté priorité pour population capable éventuellement tourner pour travaux publics qui a commencé à faire réparation pour l'école qui a reconstruit pour santé qui a reprendre. Faut pas surpris non plus que en face là, il a changé tactique. En face là, il a cherché disperser force, mais en face là, il a fait tactique tout parce que il a senti que nous avons marché sur eux. Ils ont senti que nous pouvons chercher eux. Nous avons quitté DGA, lui-même parlé de l'opération qui fait hier, la bonne explication sous lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement capitaine pour réagir. Un gouvernement et une police, on l'a mis côté même par instruction pour une stratégie très claire et n'a pas avancé sous stratégie non, de manière progressive. Au fur et à mesure que nous avons avancé sous lui, comme toujours dit nous ça, dans toute opération, nous avons trois objectifs. Premier objectif, là, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protège autant que possible pour risque à faire opération. Deuxième, là, c'est que limiter dommages collatéraux, nous avons les populations blessées. Et troisième, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous apprenons des bandits et que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça, nous avons été nous depuis 3 ou 4 mois. Donc, ma pour nous garantir que nous débattons au tout début, le défait que nous gouvernement. Pas bien fait back et on dit comme ça et m'a profité dire encore une fois c'est le moment pour vous déposer les armes n'a pas avancé sur peut pas ici un pape perdu bataille ça mais l'absence j'ai me dit nous tout que son mari qui pourra le printemps qui pourra demander patience qui pourra demander engagement tout le monde qui pourra demander sacrifice tout le monde mais moi même qui a dit nous ça je dis c'est sûr que me camper devant nous pas gain l'autre issue pour combattre ça pas gain l'autre côté bah film ça fini. On a bien bataille ça ensemble. Monsieur. Désir, merci un peu mon frère. On a croisé dans la mi-temps journée parce qu'on a quitté commentaire là pour mi-temps journée avec Parole PM, non? Dans l'autre émission, on a bonne beauté. Merci Désir, on a croisé mon frère.